Le tango milonguero est un tango de bal, pratique, sobre et efficace. Les tangueros fréquentant les milongas, café dancing de Buenos Aires ou Montevideo, ont adopté cette position des deux corps qui caractérise ce style. Proches, appuyés l'un contre l'autre, à hauteur de poitrine, tout en maintenant le corps rectiligne. Cela permet de danser sur une piste encombrée, avec subtilité et sobriété. Dans ce volume, nous vous proposons une suite de pas et de figures très dansées par les tangueros. Voyez plutôt. Salida. Hésitation. Portée. Sortie 40. Enchaîner directement avec un chassé. 8 arrière. Tour à droite. Ocho cortado. La position du corps, nous adoptons la position milonguero. Les pointes de pied se regardent, ne se touchent pas. Les corps restent bien droits comme des planches. C'est au niveau de la poitrine que se fait le contact. Les têtes peuvent se toucher, mais ça n'est pas obligatoire. Les filles, rentrez les fesses, mais sans cambrer. Il est important de rester droite. Les pieds
sont face à face, sans se toucher. Le couple est donc face à face. La fille va légèrement tomber en avant sur la poitrine du danseur. Celui-ci va la recevoir en exerçant lui-même une pression vers elle. Cette pression lui permettra de la guider. Les deux corps ainsi en appui forment une pyramide. La danseuse passe son bras gauche autour du cou du danseur. Le garçon entoure sa cavalière avec son bras droit, mais sans l'écraser. Le bras est détendu et laisse toujours une marge de rotation à sa cavalière. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Droite côté, 2, gauche côté, 3, droite avant, 4, gauche avant, 5, assemblée, 6, gauche avant, 7, droite côté, 8, assemblée. Faites attention, garçon, de toujours venir frotter vos pieds l'un contre l'autre et cela quasiment à chaque pas. Lorsque le pas est sur le côté, les pieds viennent fermer sans poids du corps et repartent. Cela vous évite de rester les jambes écartées. En avançant, faites de vrais pas, particulièrement sur le 4. Un grand pas. Le 6 et 8 peut être pris tout droit ou en tournant. Sur ce plan, on commence à tourner sur le 6. 6, 7, 8. C'est la sortie Salida. Danseur. 1, 2 et le pied droit ne va pas s'arrêter. Il repart directement en frottant le pied gauche. 6, 7, 8. Utilisez le pivot pour apprendre à tourner. Gauche côté, 2, droite côté, directement gauche arrière, 4, droite arrière, 5, croisé devant le pied droit, 6, droit arrière, 7, gauche côté, 8, fermé pied droit au pied gauche. Chose importante, toujours bien allonger les jambes. Et comme le garçon, venir frotter vos pieds l'un contre l'autre. Un repère important, le 5. Votre pied gauche est croisé devant le pied droit. 6, 7, 8, sortie Salida. Observez le mouvement. Pour allonger les jambes, pliez sur votre jambe d'appui, puis allongez la jambe en mouvement. Cela vous donnera de l'amplitude. Allongez le plus loin possible en arrière, mais sans ressortir les fesses. Ne pas danser les jambes écartées. Un côté. À deux, le garçon fait un pas plus grand que celui de la fille. Trois, il avance en déboîté. Il se trouve déboîté à gauche par rapport à la fille. Quatre, déboîté. Cinq, fille croisée, garçon assemblé. 6, 7, 8, sortie Salida. Le garçon déboîte à 2 et 3. Par contre, à 5, il va se trouver de nouveau face à elle. Les pieds sont face à face. 6, 7, 8 sont tournés. Les pieds restent face à face et utilisent le même brossé.
À 1, 2, les deux danseurs sont face à face et viennent brosser en même temps. 1, 2. À 3, 4, le danseur va avancer et pousser sa cavalière avec le haut du corps. La fille, elle, ne va démarrer qu'à la demande de cette poussée, pas avant. 6, 7, 8, le danseur amorce une torsion du buste pour commencer à pivoter et changer de direction. 6, 7, 8, le danseur effectue un quart de tour ou plus, si besoin, en tournant à gauche, son pied gauche au milieu des pieds de la fille. 5, 6, 7, 8, les pieds, déboîter, à 5 croisées filles, 6, 7, 8, sortie Salida. La sortie 40 a de différent de la salida, le 2 et 3. Le garçon fait un changement de pied, donc un contretemps, qu'il récupère ensuite en faisant un pas de moins que la fille à 5. Garçon, 1 droite côté, 2 gauche côté et changement de pied, 3 gauche avant déboîté, 4 droit avant déboîté, à 5, il reste pointé au pied gauche. 6, 7, 8, sortie Salida. 1, 2, et changement de pied, 3, gauche avant déboîté, 4 est un grand pas en avant. Sur le pied droit. Le 5, le garçon ne fait rien. La fille, elle, croise. 6, 7, 8, sortie Salida. 6, 7, 8, donc que pour la fille, rien n'a changé. Vous devez faire, sans vous poser de questions, le pas de la Salida. Pour vous, cavalier, le mouvement difficile est d'indiquer à la fille de croiser sans effectuer de pas. Regardez. C'est le transfert du poids du corps sur la jambe droite danseur qui va induire une poussée à la fille et la faire croiser à 5 de la salida. Un côté, 2 et 3, changement de pied, 4, un grand pas, 5, transfert du poids du corps, 6, 7, 8, sortie salida. Deux et trois,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3, 4, pouce, 6, 7, 8. Quatre, cinq, un et deux, trois et quatre, un et deux, trois, quatre et cinq, six, sortie, Salida. Lent, 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 vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite, lent. Lent, 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 lent. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Hésitation. Gauche, droite, gauche derrière. Replace sur le droit. Gauche, droite. Gauche derrière, replace sur le droit, corté. Le premier mouvement est le mouvement d'hésitation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour le corté, le pied droit reste au centre et le pied gauche passe devant et derrière. C'est une bascule. Il replace toujours le poids du corps sur le pied droit. Ce sont des transferts du poids du corps d'un pied sur l'autre qui donnent ces mouvements pour l'hésitation ou le corté. Pour le corté, prenez appui en avant puis en arrière avec le pied gauche. Le droit reste en place et permet la bascule du pied gauche. Cela donne un mouvement de rocking chair. Fille, reculez le pied droit. Droite, gauche, droite. Et gauche, droite, gauche. Pour le corté, d'avant en arrière, c'est le pied droit qui passe en avant et en arrière. Le pied gauche reste au centre. Comme pour le garçon, les hésitations sont des bascules du poids du corps d'une jambe sur l'autre. Pour le corté, c'est la jambe gauche qui reste centrale et qui permet au pied droit de basculer le poids du corps d'arrière en avant. Les danseurs sont face à face, les mouvements en parfaite symétrie. La fille allonge les jambes et suit le transfert du poids du corps que le cavalier va lui indiquer. Pour cela, pensez toujours à rester en contact au niveau de la poitrine. Garçon, c'est à vous de lui indiquer les hésitations ainsi que les bascules avant-arrière. Gardez votre bras droit bien fixe, sans trop la serrer. Cela lui permettra de rester en contact avec vous. Nous incorporons les hésitations cortées dans la salida. 1, 2, 3, 4, 5. Hésitation. Corté. Sortie salida. Coupons la salida en deux. Première partie jusqu'à 5. Le garçon va partir du pied gauche avant, fille droit arrière. Hésitation. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Corté, mouvement de bascule à utiliser lorsque l'on se trouve coincé par d'autres danseurs. Vite, vite, lent, lent, vite, vite, lent, lent. La deuxième partie de la salida, sortie salida et
6, 7, 8. Deux, trois, quatre, cinq. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Six, sept, huit. Sortie Salida. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est la danseuse qui exécutera les huit arrières. Vous, danseur, votre rôle est de la conduire. Votre pas est simple. Pied gauche côté, en diagonale. Venez fermer, sans poser, côté. Fermer, sans poser, côté. Fermer, sans poser, côté. Fille, vous démarrez du pied gauche croisé derrière. La danseuse reste les épaules parallèles au danseur et ne pivote que sur le pied d'appui, la torsion partant du bassin. Regardez attentivement. La danseuse est poussée par son cavalier. Elle ne doit pas partir toute seule, elle reste à l'écoute du guidage du danseur. Pour cela, pensez toujours à offrir une résistance à votre cavalier. Les pivots sont très importants. Allongez la jambe arrière, transférez le poids du corps sur celle-ci. Ramenez l'autre jambe sans poser. Le pied reste libre. Pivotez les deux jambes collées. Et de nouveau, allongez le pied libre sans toucher le sol. La torsion part du bassin. Les jambes sont tendues mais souples. La jambe libre vient se coller à la jambe d'appui, pivote avec elle, sans poser le pied qui lui reste flex et ne continue son trajet qu'une fois le pivot totalement exécuté. Allongez, pivotez, la jambe libre passe, pied flex, allongez, pivotez, pied flex, etc. Garçon et fille, ouvre et ferme en même temps. Thank you.
Remarque importante. Le danseur doit toujours essayer d'aller se rapprocher le plus possible des pieds de la danseuse. Garçon et fille se trouvent avoir les pieds fermés et écartés en même temps. La main du danseur n'effectue aucun mouvement. Seule la poussée est importante. La main du danseur ne joue aucun rôle pour guider la fille. Les trois secrets de la réussite des huit arrières sont, pour vos garçons, toujours pousser régulièrement au niveau de la poitrine, effectuer un imperceptible mouvement contraire du corps, épaule opposée à la jambe, pour aider au balancement des huit arrières de la fille. Toujours chercher le pied de votre danseuse et chercher les diagonales pour descendre la ligne de danse. Garçon, utilisez le pas de la sortie 40 avec le changement de pied. Et 1, 2 changements de pied, 3, 4, 5 croisés, 6 pieds droits en avant. Contrairement à la sortie 40, dans la saccada à 5, le danseur va croiser son pied gauche derrière le pied droit pour libérer le pied droit qui va chasser la jambe de la fille. Donc, tout d'abord, le changement de pied. 1, 2, et 3, gauche avant, 4, un grand pas, 5, pied gauche croisé derrière le droit, 6, pied droit descendant la ligne de danse. Puis, 1, 2, et 3, 4, un grand pas, 5, pied gauche croisé derrière le pied droit et à 6, droit devant, descendant la ligne de danse. Fille, vous n'avez rien de particulier à faire. Dansez le pas de la salida jusqu'à 6. Un, deux, trois, quatre, cinq, et allongez, six. À deux et trois, le danseur va se placer en déboîté sortie 40. À cinq, les deux danseurs ont les pieds croisés, six chassés. 1, 2 et 3, 4, 5, 6. 1, 2 et 3, changement de pied, 4, un grand pas, 5. Garçon croise le gauche derrière le droit, fille croise le gauche devant le droit. À 6, la fille allonge, le garçon
Chasse. Il commence un 8 arrière. Attention pour le chasser. Le pas numéro 6. Vous devez aller chercher derrière le pied gauche de votre cavalière, sans essayer de lui pousser la jambe. Le contact se fait que par le haut de la cuisse. Huit arrière. Danseur, votre jambe droite va venir au plus près de sa jambe gauche avec un grand pas en avant et derrière son pied. Vous toucherez le haut de sa cuisse intérieure et le passage du poids du corps vers l'avant déclenchera le chassé. Huit arrière. Danseur, un chassé n'est pas un coup donné, mais un transfert du poids du corps d'une jambe sur l'autre. La danseuse ne doit sentir qu'un contact, pas un coup. Vous devez pour cela, danseur, pousser la fille qui allonge la jambe, venir derrière son pied gauche et transférer le poids du corps. Poussez, touchez la cuisse, passez le poids du corps. Un, deux et trois, quatre, cinq, six et un, deux, trois, quatre, huit arrière. Un, deux et trois, quatre, cinq, six et un. 2, 3, 4. Lent, vite, vite, lent. Lent, lent, lent. 1, 2, 3, 4. Les filles roulettes sont plutôt considérées comme étant un mouvement réservé aux filles. Des filles roulettes mal faites peuvent déséquilibrer votre cavalier. Commençons par les filles roulettes tournant à droite. Imaginez un cercle dont le garçon est le centre. Votre préoccupation va être de rester sur ce cercle et toujours au plus près du danseur. Les épaules des deux danseurs restent parallèles. La torsion part du bassin et les pieds au sol pivotent. Vous devez utiliser le principe des 8, les pivots sont identiques. Il vous faut toujours pivoter d'abord le poids du corps entier sur la jambe avant de poser l'autre par terre. Les jambes sont assez tendues. La danseuse pivote, les deux pieds collés, allonge la jambe, pose le poids du corps pour enchaîner sur le pas suivant. À chaque passage, elle va venir brosser le pied en mouvement sur le pied en appui au sol. Maintenant, voyons le tour à gauche. L'exercice est exactement le même que l'on tourne d'un côté ou que l'on tourne de l'autre. Il faut avoir à l'idée de s'enrouler le plus possible autour du danseur. Venez chercher au plus près de lui. Devant, pivot. Côté, pivot. Derrière, on brosse. Côté, on brosse. Devant, pivot, etc. N'hésitez pas à faire des pas suffisamment larges. Les épaules restent parallèles. Pour mieux comprendre, démarrons directement les 8 arrières. Garçon, gauche côté, placez le pied droit devant le pied gauche de la fille. Fille, vous faites un 8 arrière pivotant sur la jambe gauche. C'est un 8 arrière ordinaire. Le pied du garçon est collé contre votre pied gauche.
Danseur, vous allez faire votre 8 arrière. Garçon, pied gauche côté pris en diagonale. Vous faites pivoter votre cavalière sur son pied gauche arrière. C'est le 8. Torsion du buste pour accompagner le mouvement. Placez votre pied gauche contre son pied gauche. Vous êtes dans une position miroir. Fille, vous démarrez un 8 arrière ordinaire qui se trouvera complété par les firoulettes du tour à droite. Surtout, gardez toujours les épaules parallèles au garçon. Votre bassin ainsi que vos pieds effectuent une rotation. Bien sûr, nous vous avons arrêté le mouvement pour mieux comprendre la transition. Mais il n'y a pas d'arrêt. Le mouvement est fluide et votre cavalière ne doit pas se rendre compte qu'elle enchaîne les 8 arrières au tour à droite, c'est-à-dire pour elle aux firoulettes. Pour cela, utilisez le mouvement contraire du corps qui facilitera vos rotations. Lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, 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 sortie, salida. Garçon, voyons votre rythme. Lent, vite, vite, changement de pied, lent. On pivote, mouvement contraire du corps, lent. Pivotez sur votre pied, lent. Vite, assemblée, vite, lent. Et pivoter, lent. Lent. Assemblée, lent. Sortie, salida. Un, changement de pied, deux, zé, trois, c'est le 8. Quatre, pied droit garçon est devant celui de la fille, cinq, gauche, six, pied droit devant, et assemblé, gauche au droit en pivotant, sept, droit devant, pivoter dessus, 8, gauche côté, 9, ocho cortado. Placez votre pied droit devant vous sans mettre de poids du corps. 10, assemblez le pied droit au gauche avec un quart de tour, finissez 6, 7, 8, salida. J'attire votre attention sur l'importance des pivots effectués par le danseur. Le danseur démarre son tour à droite après avoir déjà bien marqué son mouvement contraire du corps, préparation à la rotation. «
Maintenant. Il bascule son poids du corps sur la jambe droite et effectue plus d'un quart de tour. Toujours regroupez au maximum les deux pieds lors d'un pivot pour garder votre axe. Vous décrivez un cercle. Pas de poids du corps sur la jambe avant. Assemblée, sortie Salida. Essayez de suivre un rythme régulier. Repérez à quel moment se font les pivots. À quel moment vous devez bouger sur votre pied entièrement. Le mouvement est fluide et régulier. Fille, votre rythme est différent de celui du garçon. Lent, lent et lent. Vite, vite, lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Et lent, rotation. Lent, lent et lent. Prenez vos repères. 1, 2, pivot et 3, 4, le 8 arrière. Enchaînons sur roulette. 5, 6 et 7 et 8. 1, 2 et. Nous allons poser à 3 et faire un ocho cortado. 3 et. 4, c'est la 5 de la salida. 6, 7, 8. Sortie salida. Danseuse, vous exécutez les firoulettes tournant à droite. À chaque pivot, venez brosser l'autre pied. Les jambes sont collées. Regardez attentivement les rotations. On ne reste pas les jambes écartées. Ici, prenez appui sur le pied gauche. La droite est croisée derrière. Pivotez dans cette position. C'est le numéro 5. Pieds croisés de la salida. 6, 7, 8, sortie salida. Un élément extrêmement important qui doit rester présent à votre esprit en permanence. Les pieds des deux danseurs sont toujours collés ou en face, mais toujours le plus proche possible. Ceci afin d'une recherche constante d'un axe commun. Regardez les pivots. Ils sont en parfaite coordination. La deuxième chose, les épaules restent toujours parallèles. Ceci implique donc des rotations du buste et du bassin pour chacun des deux danseurs. Garçon, vous ne devez pas bouger votre position de bras. Relâchez la tension. Vous devez rester en contact, fille, calée dans le bras, mais chacun garde son propre axe. Il n'y a plus de poussée l'un vers l'autre. Ce mouvement s'appelle ocho cortado. Le garçon met son pied contre le pied de la fille sans poids du corps. La fille reprend, appuie sur le pied droit, passe le gauche devant. Nous sommes à 5 pieds croisés de la salida. Je vous rappelle que pour le tour à droite, garçon et fille, ne faites pas le même rythme.
L'un fait des lents pendant que l'autre fait des vite. Prenons les comptes pour le danseur. 1, 2, 3, 8 arrière, 4. C'est le tour à droite qui commence. Le pied droit danseur devant le pied gauche fille. 5, pied gauche garçon contre le pied gauche fille arrière. À 6, droit au milieu des pieds de la fille. Et assemblé, 7, pied droit contre le pied gauche, fille avant. 8, pied gauche contre gauche, fille arrière. À 9, le garçon met son pied droit devant. Il bloque le pied de la fille, sans poids du corps. À 10, il assemble le pied droit au gauche avec un quart de tour. Finir dans le mouvement, une torsion, 6, 7, 8, sortie salida. L'amplitude du tour n'a pas d'importance. Fille, voyons pour vous. Et 1, 2, à et pivoter sur le pied droit. 3, pied gauche, c'est le 8. 4, pied droit derrière. Garçon, pied droit devant votre pied gauche. 5, déplacez votre pied gauche côté. 6, pied droit en avant en cherchant autour du garçon. Et un pivot sur le pied droit. 7, gauche côté autour du danseur. Et 8, droit derrière. Un, gauche côté. 2, droit devant. Le pied gauche garçon contre le pied gauche fille. À 3, gauche côté, c'est le ocho cortado. 3, et je replace mon pied droit. Et 4, je vais croiser devant et faire une rotation. Je suis en position 5 de la salida, sortie salida, pied du garçon au milieu des pieds de la fille. 6, 7, 8. Danseur, votre cavalière est calée dans votre bras droit. Ne la serrez pas. Lâchez la pression. Cela lui laissera l'espace suffisant pour exécuter ses rotations. Et cela permettra à chacun de trouver son propre axe. Pour cette figure, il est recommandé de ne pas exercer de pression vers son partenaire. Ainsi calée dans votre bras, la danseuse suivra le déplacement indiqué à condition que votre bras reste solidaire de votre corps. L'image la plus appropriée serait de vous imaginer danser avec une attelle. C'est donc avec la rotation du haut du corps que vous trouverez la meilleure conduite. C'est le mouvement contraire du corps. La fille suit le bras. Regardez plutôt. Le danseur ne fait absolument aucun mouvement avec le bras ou la main. Cette conduite est beaucoup plus confortable pour votre cavalière.
1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10, sortie Salida. Lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, 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 lent. Salida. Hésitation. Portée. Changement de pied, début, sortie 40, suivi d'un chassé. Huit arrière. Dernier, tour à droite. Ocho cortado. Sortie Salida. Les rythmes donnés dans ce volume ont été étudiés pour faciliter la compréhension des mouvements. Vous trouverez avec la pratique d'autres combinaisons rythmiques aussi appropriées. La diversité rythmique des tangos vous amèneront à aménager accélération et ralentissement. La musique vous aidera à adapter votre évolution sur la piste. Maintenant, à vous de jouer et bonne danse! Voici un aperçu du programme proposé dans le volume de Milonga. Vous y trouverez un programme détaillé, étudié pour apprendre le fonctionnement de la Milonga dans ce qu'elle a de plus ludique, pour jouer avec le rythme. À chaque mouvement, vous sera donné rythme et compte, pour faciliter vos premiers pas de milonguero. La Milonga est une danse très rythmée, beaucoup plus rapide que le tango. Son rythme dynamique et joyeux, elle représente la fête et le jeu. Connaître la Milonga est une aide précieuse pour comprendre le tango. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir. Hacia el norte los llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Xangó. En Buenos Aires se quedaban para el servicio o a pedir. Buen oficio de migrantes, iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron. Muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Toca tango, toca tango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Xangó. Thank you.
negro tocaba el cuero pa' olvidarse de sus penas o reírse de su suerte, candombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga, viva Shango. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga, viva Shango. Toca tango, toca tango.